Jean-François Gaultier ne veut pas être connu, il ne fait rien pour l'être, et pourtant il l'est bel et bien, et dans des cercles très différents qui d'ailleurs, pour tout compliquer, ne se connaissent pas entre eux, tant le personnage est multiple. Il y a ceux qui, en France et à l'étranger, connaissent le philosophe, il y a ceux qui connaissent le thérapeute, dont les patients viennent quelquefois de très loin, d'Australie ou d'Amérique. Il y a ceux qui l'ont croisé dans tel ou tel cercle intellectuel, comme le Grèce ou l'Institut Iliade, ceux qui l'ont lu dans tel ou tel journal ou bulletin chronique, comme Valeurs Actuelles ou Minutes, et ceux qui connaissent le musicologue, spécialiste reconnu de Palestrina et de Debussy. C'est en somme un véritable lavage de cerveau que nous soumet cet esprit immensément cultivé, immensément curieux, touche à tout un peu sauvage et singulier. Écoutons donc Jean-François Gaultier et suivons de près en pente raide cet homme océanique, vaguement diabolique, qui me fait penser à cet humaniste de la Renaissance auquel Marguerite Yourcenar, dans son roman L'œuvre noire, donnait le nom de Zénon et auquel je ne peux m'empêcher de donner celui qui sert de titre à cette nouvelle série d'entretiens, de monstre secret. Bon, Jean-François Gaultier, alors vous êtes, je le disais, un monstre pluriel, à la fois musicologue ou musicographe, bon connaisseur des antiquités, philosophe, vous avez été journaliste, vous écrivez dans de nombreuses revues, vous êtes aussi thérapeute. Dans tous les mots que je viens d'utiliser pour décrire ce monstre secret que vous êtes, qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui ne vous va pas? Pas tout à fait secret. Le Charentais est discret, comme vous l'avez vu depuis que vous êtes vous-même Charentais. Oui. La ferme charentaise est une ferme à cour carré. Il y a un grand portail. Quand le portail est fermé, on y vit chez soi. Quand on est viticulteur charentais, on a plusieurs métiers. On s'occupe de la vigne, on s'occupe de l'élevage du vin, on s'occupe de la distillation, on s'occupe du vieillissement. Donc il y a une palette de métiers, une palette de talents. Mais tout ça se fait dans la discrétion. C'est l'habitude charentaise. Qui tient à quoi? Qui tient au fait que, je l'avais vu ça, pour les souvenirs que j'ai de mon grand-père, c'était inscrit sur son visage. Votre grand-père, Cognac Gaultier. Cognac Gaultier, oui, qui était à Aigre, mais qui était héritier d'une maison qui datait de 1685. Des lettres et qui patentes. Avait eu des lettres patentes, oui, de 1755. Nous sommes dans, en Charente et dans le Cognac. Voilà. Et quand il a pris la suite de son père juste avant la guerre de 14, mon propre père n'était pas encore né. Lui-même travaillait avec les eaux de vie qu'avait élevé son grand-père. Et les eaux de vie plus jeunes qu'il rentrait, c'était pour ses petits-enfants qui n'étaient pas encore au programme puisque mon père n'était pas né. Et tout ça se fait... C'était de 30 ans, comme on dirait maintenant. C'est oui, ça 40 ans. Oui. À l'époque où on vendait des vieilles eaux de vie de vraie qualité. Et vous dites que les eaux de vie ont leur rythme, l'eau de vie a son rythme, ah écrivez-vous. Oui. Son rythme et sa durée, on ne joue pas avec, et on le fait de manière discrète parce qu'on ne sait pas tout de la durée dont a besoin telle eau de vie, dont elle fut. Tout ça, ça s'arrange au fur et à mesure, on ne l'écrit pas sur les toits. Vous utilisez à plusieurs reprises le mot « durée » et vous m'avez rectifié un jour au cours de nos conversations. Le temps et la durée, ce n'est pas la même chose. Bon. Ah, le non, temps pas, n'existe ouais. pas, m'avez-vous dit. C'est voilà. intéressant. La durée est vécue, mais ça même Bergson l'avait mis en évidence. Le temps c'est une abstraction, c'est un concept, mais ça n'est pas quelque chose qui existe vitalement. Alors, on va essayer de trouver des lignes de force, parce que dans cette grande foison de discipline, de curiosité, oui, on peut dire de curiosité, vous êtes un grand curieux, un vieil observateur, vous êtes une sorte de Zénon, vous savez, le personnage de Marguerite Yourcenar. Ligne de force, il y en a une qui m'a beaucoup étonné, qui m'a pris à revers, je dois dire, votre refus de l'unique, de la tentation qui est un pli de l'esprit pour la plupart de nos contemporains, depuis longtemps d'ailleurs, de tout ramener à l'unique, la cause unique d'un mal, par exemple, ou la divinité unique. Évidemment, nous reviendrons sur votre critique du monothéisme.
Même la déclinaison politique est immédiate. Liste unique, marché unique, monnaie unique, espace unique. Il y a une antidote, c'est penser sans cesse la pluralité, opposer la pluralité naturelle, on peut dire, qui est dans la nature. Ça, c'est une de vos lignes de force, on peut dire. Ça, c'est peut-être la résultante d'une formation. J'ai été très, très influencé par, d'une part, la mythologie grecque et son culte permanent de la pluralité. Rien ne se dit d'une singularité. Prenez un dieu majeur comme Zeus ou d'autres dieux qui ne sont pas aussi éminents sur l'Olympe, mais Apollon ou Dionysos. Ils sont pluriels. Sont de toute façon pluriels, et ce qui se dit du divin, ce n'est pas d'un personnage en particulier, c'est de leur relation. Et ça, c'est très très important. Alors, vous faites allusion très souvent, parce que votre culture est immense, et très centrée sur ce qu'on a appelé longtemps les antiquités. Vous devez ça, je crois, à votre maître, à un de vos maîtres à l'université de Caen, Lucien Gerfagnon, qui vous a beaucoup marqué. Gerf, oui, m'a beaucoup marqué. Et en même temps, bon, j'ai eu la chance de faire partie de cette instruction qui a été délivrée jusqu'en 1965, 66, 67, où, même à coup de pied aux fesses, il fallait engranger sa part de latin, de grec, de physique, de mathématiques et de langue française. Et ça, c'est quelque chose dont, très tard et même trop tard, puisqu'ils ont tous disparu, je remercie ceux qui m'ont donné suffisamment de coups de pied aux fesses pour que je m'y mette. C'est votre univers, hein, le monde grec. Encore, le monde grec, on peut dire, c'est aussi bien l'Anatolie que plus tard l'Italie, l'Empire romain. Je préfère l'expression de monde hellénique. Le monde hellénique. Ce qu'on appelle la philosophie grecque, et même la science que l'on dit grecque, est une science hellénique qui est née sur la côte est de l'actuelle Turquie, qui s'est beaucoup répandue alors dans les colonies, mais toute l'Italie du Sud, la Sicile, où il y a eu de très très grandes écoles, notamment à côté de l'actuelle Naples, l'école d'Élée, et puis toutes les grandes écoles du Sud. Athènes a été une grande cité philosophique qu'après la gloire de Périclès. C'est le politique qui a fixé Athènes comme l'endroit où il fallait se faire voir et se faire entendre. Et vous ne parlez pas de centre, car vous n'avez pas non plus la réduction au centre. Ah non, non. La centralisation, bien sûr, mais l'idée de centre, vous êtes aussi un peu suspecte, non? Oui, je ne suis pas pour cela jacobin français, oui. Je vois. Et en physiologie, l'histoire des centres est une histoire terrible. Oui, on y viendra. Gerfagnon est un grand relecteur, on peut dire, de tout l'héritage antique. C'était un très grand professeur, un très grand maître. Il n'a pas été un philosophe au sens classique, et il me l'a redit 10 fois, ne cherchez pas entre les lignes de ce que j'écris quelque chose qui serait le gerfagnonisme, ça n'existe pas. C'est peut-être une des césures de l'Orient et de l'Occident. L'Orient a beaucoup le culte de l'unique aussi, non ? Il y a un réflexe unicitaire, beaucoup, chez les orientaux, non? Chez les orientaux non helléniques. Oui, il y en a beaucoup. Oui, mais le culte de l'unité comme présence, c'est un culte des propres cultures sémitiques. Mais il n'est pas propre aux cultures indo-européennes classiques, et il n'est rentré que tardivement dans l'histoire de l'Europe. Et essentiellement à partir du IVe siècle, non pas avec Constantin, comme il se dit trop souvent, bien que Constantin, sur son lit de mort, se soit converti, mais avec son troisième successeur, Théodose. Oui. Où là, effectivement, le monothéisme est devenu la religion officielle et obligatoire d'un empire unique, ayant un empereur unique, incarnant un divin unique. Début d'une catastrophe pour vous ? D'une catastrophe... Civilisatrice, mais enfin, qui a recouvert le polythéisme et c'est notre histoire. Le pluriel des Grecs et de l'Europe. Ça n'a pas recouvert. Comme c'était un discours de pouvoir, c'est un discours qui a été cultivé chez les clercs, mais absolument pas dans les religions populaires. Les religions populaires européennes sont toujours restées
polylâtre, c'est-à-dire à plusieurs, disons-le, en grec ou en latin, demi-dieux. Ça, les cultes populaires sont restés comme ça jusqu'à Vatican II, pratiquement. Alors, il y a une autre deuxième ou seconde ligne de force qui est un peu corrélative, en tous les cas qui vient aussi des anciens, c'est le refus du temps linéaire, de la flèche du temps, de l'idée d'un sens de l'histoire. Vous avez consacré un livre à la question du sens de l'histoire. Ça aussi, c'est entré dans les têtes. On ne peut pas en faire démordre nos contemporains. Il y a un avant, il y a un après. C'est mieux, ça sera mieux après que ça n'était avant. La folie du progrès s'est collée sur cette conception linéaire de l'histoire. Vous la refusez en bloc. Oui, oui. Alors ça m'a agacé assez jeune, parce que même quand j'étais en troisième, et c'était pire en seconde, une rédaction sur deux, c'était autour du progrès, c'était autour de ce qui s'améliore, de ce qui va mieux, de la vérité enfin accessible. Enfin bon, c'était totalement absurde. On avait quand même à cette époque-là assez d'instructions en histoire pour se rendre compte que côté progrès, non. Un peu après la troisième et seconde, un peu plus tard, bon, je me suis rendu compte que ces représentations, parce qu'il y en a évidemment de multiples, d'une histoire qui a un sens, qui a une flèche du temps, tournent toujours autour d'une vérité unique, qui est une vérité terminale vers laquelle on se dirige. Et cela, alors, dans les cultures helléniques, ça n'a jamais, jamais, jamais existé, jamais. Il y a une sensibilité. Alors bon, il y a une part de tradition de temps cyclique qui est la marque d'une ruralité. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un temps des saisons, il y a un temps des semailles, il y a un temps de la récolte. Mais pour une part, vous la faites vôtre, non ? Cette conception cyclique. Oh ben, cyclique, ici en Charente, oui, elle l'est, et avec de multiples troubles qui s'appellent la grêle, qui s'appellent le gel, qui s'appellent... Je parle de l'échelle de l'histoire, des corsi a ricorsi, comme disait Vico. Ah oui, mais... Alors, bon, je sais que Nietzsche était très très sensible à ça, ouais. au point de... L'éternel retour. D'aller jusqu'à... S'empêtrer les pinceaux, je crois, dans un éternel retour de l'identique à l'identique. Quoi. Et là, non, ça c'est une conception qui me paraît trop métaphysique et abstraite pour être vivable. Vous êtes très précautionneux vis-à-vis de tout ce qui est métaphysique et tout ce qui est simple, on peut dire. Vous êtes un destructeur de simplicité, mais c'est... Ah, pas du tout, au contraire, je suis pour un retour éminent à la simplicité, bon, et donc fausses. Pour un décrochage de toutes les idées superfétatoires avec lesquelles on passe à côté de sa propre existence. L'universel, toutes ces choses-là, ce sont des idées superfétatoires qui ne font pas partie de l'expérience ordinaire. Et le progrès, non. Il y a une lecture politique, évidemment, de ce que vous dites. Vous n'êtes pas un progressiste. J'ai oublié de dire que vous êtes un peu aussi un militant politique. En tous les cas, vous écrivez beaucoup dans des revues assez précisément fixées sur le... Oui, dans Éléments et Nouvelle École, mais... Sur l'échiquier politique, Nouvelle École, Éléments, la Nouvelle Revue d'Histoire... C'est un monde métapolitique. Vous avez travaillé à Minute, Valeurs Actuelles, enfin on est dans un cercle là. Oui, mais je n'ai jamais travaillé dans un parti. Je n'ai jamais eu aucune carte d'aucun parti. Vous votez même pas, j'ai l'impression, non ? Je ne suis pas inscrit, oui. Vous n'êtes même pas inscrit, oui. Bon. La République ne m'aime pas. Votre père avait une tradition monarchiste, qui n'est peut-être pas la vôtre, puisque la monarchie, pour vous, ça commence mal. Il y a du mono là-dedans, ça ne vous plaît pas. Ah oui, oui, mais attendez, il faut quand même nuancer les choses. La monarchie avait quand même laissé exister des choses qui n'existent plus, c'est-à-dire des parlements régionaux. Et des amis bretons me signalent toujours que la République française n'est jamais revenue sur les privilèges du Parlement de Bretagne. Donc d'après les bretons indépendantistes, il suffirait de réunir le Parlement de Bretagne. Et c'était quand même autre chose que les assemblées régionales. Maurras et de Gaulle ont beaucoup repris cette tradition. D'ailleurs, la monarchie, l'ancienne France, était plurielle. Et elle était délibérément plurielle. Elle était volontairement plurielle. Ouais.
La conception que vous avez, que vous opposez à l'unique et au et à la conception linéaire de l'histoire, réhabilite beaucoup la géographie. Il y a beaucoup de géographie chez vous, c'est-à-dire une chose est ce qu'elle est par rapport à son géos, par rapport à l'endroit où elle se trouve dans l'univers ou sur la planète. Dans le, dans le cosmos en général. Mais bon, c'est vrai de notre Charente. Il y a des mœurs qui correspondent à la géographie de la chose. La géographie de la chose, c'est tel et tel terroir, a des calcaires un peu plus denses que d'autres, ça donne des eaux de vie qui ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas les mêmes prix, qu'on n'élève pas de la même manière. Et les rapports entre les communautés sont très différents. Et là, effectivement, la nature de la Terre conditionne les relations entre les hommes. Ouais. Alors, ça n'est évidemment plus vrai dans les villes. La Charente de l'Ouest salue la Charente de l'Est. Et pourtant, nous sommes vraiment pas loin. C'est à ce point, la topographie est à ce point marquante. Nous sommes à 26 km. Oui, la topographie est à ce point marquante, ça c'est sûr. Vous êtes ici dans une Charente périgourdine qui n'a pas les mêmes reliefs, qui n'a pas les mêmes essences végétales que la Charente qui se trouve, disons, entre Angoulême et un peu au-delà de Cognac, c'est-à-dire tout le coin de la petite Champagne et de la grande Champagne. Le souci de la nature, de la géographie et de la nature est très immédiat chez vous. Là aussi, c'est grec. Oui, mais enfin, c'est aussi français. Si vous remontez en Charente vers Confolens, vous êtes dans une Charente limousine, où vous n'avez pas un seul pied de vigne et vous avez encore des moutons et des chèvres. Ça n'est pas la même économie, donc ce ne sont pas les mêmes caractères. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'ils n'ont pas le même accent. D'où le refus du systématisme, toujours, parce que tout est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Non, c'est beaucoup divers, plus simple. Beaucoup plus simple et beaucoup plus divers. Oui, oui. Un système de pensée construit de manière telle que c'est toujours la même musique dans le même ordre, des mêmes mouvements qui reviennent, est un système qui est compliqué parce qu'il est destructeur de la réalité. Il est destructeur de d'une vision élémentaire de la vie ordinaire de tout un chacun et de ses relations avec autrui. Je commence. La grande caricature, c'est Hegel. Ah, Hegel, c'est votre bête noire. Hein. Oh, une bête noire, non. La pensée allemande en général. Oui, sauf la mystique. Bien que ce soit très européen, nous le verrons aussi. Alors je commence à comprendre. Les obstacles de langue aussi. Ah. Il n'est pas secondaire. Ah non, non, non. Non, ouais. Non mais si vous voulez. Vous êtes très militant de la Grande Europe, on peut dire, quand même. Comme projet, oui. Comme projet, mais avec cette grande difficulté. Alors les langues, oui. Quand un jeune Français participe à des sessions, comment appelle-t-on cela, Erasmus, pour apprendre l'allemand, rencontre un jeune Allemand qui participe à des sessions Erasmus pour apprendre le français, il se parle anglais. Il se parle anglais, mais un anglais qui est un... C'est la langue unique, encore le démon de l'unique. Oui, mais en même temps, ça n'est plus une langue. C'est un idiome qui permet de dire passe-moi le sel. Et d'ailleurs, le thérapeute que vous êtes éprouve aussi qu'il n'y a pas de centre dans le corps, contrairement à ce que des générations ou des siècles ont cru. D'ailleurs, c'est jamais le même centre du corps qui prévaut selon les civilisations et les siècles. Pas de centralité, mais l'humanité cherche toujours sa centralité, y compris dans sa physiologie. Oui, l'humanité, je ne sais pas, mais en tout cas, dans les traditions européennes, alors il y en a eu plusieurs, effectivement. Ouais. Il y en a une qui était issue de l'anatomie des embaumeurs égyptiens. Pour conserver un corps momifié, il faut commencer par les viscérer. Et toute la vascularisation de l'intestin, la vascularisation veineuse, est dirigée vers le foie. Et c'est le foie qui était l'organe central. D'ailleurs, les aruspices lisaient le destin. Les aruspices, c'est viscérer les animaux pour lire le devenir. Et ça, c'est quelque chose qui est resté assez longtemps dans les pratiques religieuses. Et il y a eu, à partir de 1628, non sans conflit, mais ça, nous y reviendrons, la mise en évidence
de la circulation sanguine. Hein. Petite circulation, c'est-à-dire cœur, poumon, cœur, et grande circulation, cœur, le reste du corps, et retour au cœur. C'est-à-dire le cœur devient central à ce moment-là. Et c'est le cœur qui devient central. Là, on est au XVIIe siècle. On est à partir de 1628, non sans conflit. Alors c'est Corneille, c'est le Thumos. C'est Rodrigatu du cœur, c'est comme voilà, si c'est le cœur était le centre même de l'énergie d'un homme. De l'énergie vitale, et en physiologie ça a été refusé. Les médecins parisiens, dirigés par un certain Guy Patin, qui était un crétin majuscule, ont refusé la centralité cardiaque. Molière, Boileau, Descartes d'abord, La Fontaine aussi, ont fait partie du clan des circulateurs. Et puis finalement, c'est rentré dans les mœurs médicales à la fin du XVIIIe siècle, quand un certain Chirac, chirurgien au Jardin des Plantes, admis comme tel par Louis XIV, a fait admettre qu'effectivement, il y avait une circulation sanguine. Et à ce moment-là, le cœur est devenu central, mais vraiment central, et c'est passé aussi dans la mystique, avec toute la mystique du Sacré-Cœur, avec toutes ces choses-là qui sont importantes. Et même lorsqu'on a fait des transplantations cardiaques. Oui, je me rappelle quand j'étais adolescent ou préadolescent, oui, 62-63, quand Barnhart a fait les premières transplantations cardiaques, bah, j'ai entendu dans ma famille, mais comment se fait-il? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va pouvoir aller au paradis avec le cœur d'un autre? Parce que le cœur était à ce point central qu'on ne pouvait pas avoir le cœur d'un autre. Et alors ce rôle de centralité majeure est repris aujourd'hui par le cerveau. La nouvelle centralité aujourd'hui, c'est celle du cerveau. Il y a quelques années, il y a eu 5 chaires de neurologie cérébrale au Collège de France. C'est pire que d'avoir un évêque avec 4 coadjuteurs pour parler du même problème. Et bon, cette idée que le cerveau est central dans l'existence humaine est une idée qui ne tient pas debout. Mais le problème, c'est la centralité, toujours pareil. C'est toujours pareil. Vouloir trouver une centralité. Ouais. Voilà, la médecine, on peut dire la science du corps, l'anatomie, vous aimez beaucoup l'anatomie, nous allons voir ça, parle aussi et illustre cette idée force chez vous, pas de centralité. Donc nous allons retrouver ce domaine qui est votre métier dans notre prochaine conversation. Et puis nous parlerons aussi des arts, de musique, du critique d'art que vous êtes. Et puis on reviendra plus tard à la politique, elle viendra ensuite. Merci Jean-François Gauthier. Jean-François Gauthier, poursuivons nos conversations. Nous avons dit qu'il n'y avait pas de centralité sur la Terre, malgré dans la vie, dans l'univers. Vous parlez même de plurivers. C'est pas vous qui parlez de plurivers. Non, ce sont les physiciens, oui, oui. Il faut cesser de parler d'univers et parler de plurivers. Et notamment, il y a une pluralité de centres dans le corps, c'est ce que vous nous disiez dans notre précédente conversation. Il y en a même pas du tout de centres dans le corps. Est-ce que vous pensiez ça avant d'être thérapeute, ou c'est la thérapie, le fait de soigner les corps qui vous l'a appris? Vous avez raison, c'est probablement oui, le fait d'avoir les mains et le travail intellectuel dedans. Le travail de l'anatomie, c'est un travail qui est très long. L'assimilation de l'élémentaire de l'anatomie, c'est 4 ans, 5 ans. Et puis après, bon, 7, 8, 9, 10 ans pour améliorer un peu les choses, tout en ayant les mains dedans, en ce sens qu'il faut aller aussi disséquer. Et là, on rentre vraiment dans le pluriel, mais un pluriel dont les parties s'accordent. Oui. Et il est toujours très, très, très difficile d'en privilégier une. Il y a des parties qui paraissent très secondaire, vous avez des artérioles secondaires du cœur ou de l'alimentation d'un muscle. Quand il y a un problème à ce niveau-là, ça peut déclencher des effets alors, extrêmement délicats. Vous allez vite en besogne, Jean-François Gauthier. Comment se fait-il que, docteur en philosophie,
Comment s'est-il que vous soyez devenu thérapeute ? Vous avez accepté même, enfin vous refusez qu'on vous dise médecin. Très bien, vous allez nous expliquer pourquoi. Mais est-ce que, sur ces mots-là, est-ce que vous acceptez rebouteux ? Oui, rebouteux, je revendique. Oui. Je revendique. C'est toujours la conjonction de circonstances diverses. Il n'y a pas de cause unique au fait que je sois devenu thérapeute. Mais la circonstance la plus marquante, sans doute, c'est que j'ai été atteint de tachycardie paroxystique. Et c'est une pathologie extrêmement pénible, parce que, bon, quand vous avez le rythme cardiaque qui monte à 120, 140, 160, voire 180, c'est d'abord difficile de dormir. Fatigant. Extrêmement fatigant, l'équilibration n'est jamais évidente à assurer, et il y a des moments où, bon, il faut vraiment s'asseoir, respirer. Bon, j'avais vu 2-3 cardiologues de ville qui m'avaient expliqué que le cœur était sans aucun problème, ce qui n'était pas la question que je posais. La question que je posais, c'est pourquoi est-ce qu'il tourne à 180 à l'heure, alors que 60 à la minute était mon truc normal. Et un ami m'a dit, écoute, va voir Trey Daniel, il est éthiopathe, il va te régler ça en 5 minutes. En fait, non, il me l'a réglé en 2 séances, là où 3 cardiologues de ville et 2 cardiologues hospitaliers n'avaient pas trouvé pas à redire, mais à résoudre. Là, nous sommes dans les années 80. 90. On est en 84-85, oui. Vous avez une bonne trentaine d'années, un peu plus. Oui, 35 ans. C'est un tournant dans votre existence, on peut dire. D'abord en raison de la rencontre avec Christian Trey Daniel. Vous entrez dans un monde, le monde de Trey Daniel, qui n'est pas tout à fait neuf pour vous, parce que je disais que vous êtes docteur en philosophie, j'ai oublié de dire que vous êtes aussi docteur en sciences. Et que, au fond, le fait que vous vous dirigiez vers une science appliquée, c'est-à-dire la thérapie, n'est pas tout à fait absurde. J'ai eu un doctorat en éthiopathie, mais après avoir rencontré Trey Daniel, puisque c'est par lui que j'ai travaillé. Donc c'est une véritable réorientation, mais vous aviez pourtant, vous avez dirigé les éditions Atlas, je ne l'ai pas dit, mais on ne peut pas dire tout ce que vous avez fait dans votre vie. Et vous aviez publié aussi un livre qui m'a beaucoup marqué, je dois dire, il est plutôt écrit pour les enfants, mais il est extraordinairement enrichissant. L'aventure des sciences. L'aventure des sciences. Oui. Donc, et ça, c'est antérieur, je crois. Vous étiez déjà prédisposé à la recherche scientifique, parce que l'éthiopathie, c'est de la recherche, on peut dire médicale, là, ça vous va ? Physiologique. Physiologique et anatomique, oui. Vous n'avez pas fait d'anatomie jamais, là, alors ? Je n'en avais pas étudié avant d'en étudier avec Trey Daniel. Après avoir rencontré Trey Daniel, bon, j'ai suivi des cours d'anatomie, disséqué, et puis je n'avais plus d'emploi salarié, donc j'ai été nègre, comme on dit. J'ai écrit un livre grand public sur l'éthiopathie, et puis grâce à un chef de rayon dans une librairie qui n'existe plus, la librairie Le François, qui était une librairie médicale, place de l'Odéon, si mes souvenirs sont bons, j'avais pu rédiger 2 thèses en médecine comme nègre, et 2 thèses qui étaient dans la fourniture du matériel d'une nullité absolument extraordinaire. Et j'avais lu quand même quelques thèses en médecine pour savoir s'il fallait y mettre. Et franchement, ça n'est pas très sérieux. Vous me dites que vous avez donc écrit je pour d'autres des thèses en médecine. Oui, écoutez, oui. C'est joli. Mais ils ont été reçus. Oui, on a bien compris. Enfin, diplômés. Je ne sais pas dans quel état sont leurs patients, c'est tout. Mais ne faites pas grand cas des études de médecine, ouvrons une parenthèse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui cet enseignement de base qui était l'anatomie très détaillée et la neurologie très détaillée. Pour faire un diagnostic, il faut quand même comprendre si la douleur du patient est une douleur typiquement organique, une douleur musculaire, une douleur vasculaire, si c'est un territoire sensitif qui est concerné, si c'est une douleur ligamentaire. Alors, si on n'a pas étudié assez à fond l'anatomie, on ne peut pas faire la différence. Et beaucoup de patients que nous voyons dans notre métier d'éthiopathe sont des patients qui, pour l'essentiel, sont les échecs des autres.
Bien nous voir quand, ben, quand ils ont épuisé, quand ils ont épuisé le reste. Et le reste souvent, nous avons des patients qui arrivent avec un paquet de radios, plus un paquet d'IRM, plus ceci, plus cela, plus des analyses. Et pour un problème à résoudre qui demande 10 minutes. Quoi. C'est assez étrange que le système maintenant soit à ce point contrôlé par les laboratoires qu'on ne fait plus qu'y vendre de la molécule. Et ce qui ne correspond pas à la molécule, par exemple l'entorse bénigne sur un bord de trottoir, ça ne peut plus être pris en charge ni redressé aux urgences. C'est vous qui m'avez dit que les étudiants de médecine aujourd'hui ne font plus ou presque plus d'anatomie ? Ben non, pratiquement plus. Et puis les examens qu'ils suivent durant les 6 premières années, internes incompris, sont des examens qui consistent à mettre des croix dans les cases. Sans texte. C'est-à-dire que plus personne ne vérifie que, sachant construire une phrase avec un sujet, un verbe, un complément, il y a une pensée logique qui se suit. Et ça, c'est terrible. Et c'est terrible pour ces jeunes gens à qui on n'apprend pas les sciences qui leur permettraient de penser par eux-mêmes dans leur métier. La thérapie que vous avez choisie après la rencontre, nous allons y revenir avec Christian Trédaniel, c'est l'éthiopathie. Dites-nous ce qu'est l'éthiopathie, tout le monde ne le sait pas. Vous êtes éthiopathe en réalité. Oui, alors... C'est différent de l'ostéopathe. Le mot a été mal formé, mais... j'avais fait remarquer à Christian Trédaniel, mais une fois que la chose est faite... C'est la recherche de la cause du mal. Aitia, en grec, c'est la cause. Pathos, c'est le mal ou le désordre. Et le premier problème à résoudre pour le thérapeute, c'est de déchiffrer la cause du mal. Pour comprendre si il peut réduire cette cause ou pas. Ça, c'est le coup de génie de Christian Trédaniel, ne pas s'obséder sur le symptôme, aller chercher la source. Aller chercher la cause, oui. Qui peut être directe ou indirecte. Bon, ce qu'on appelle les médecines parallèles. Oui, mais parallèle à quoi? À l'officiel, qui elle-même est assez déviante, ou tout au moins qui zigzague. Alors... Mais vous savez, il y avait dans la vieille médecine ordinaire un adage qui disait que la clinique tenait la technique sous son autorité. Autrement dit, le clinicien fait un diagnostic à partir des signes. Il observe. Qu'il observe. À côté du lit, c'est ça? Ce que veut dire clinique, c'est près du lit, c'est ça? Près du lit en général, ou le patient qui vient au cabinet, comment il se lève, quelle est la couleur du fond de l'œil, est-ce qu'il tient droit, est-ce qu'il tient oblique, est-ce qu'il a des difficultés de mobilité, est-ce que la douleur crée un rictus sur le faciès, etc. Et une fois qu'il a déterminé ce qui, d'après lui, est la cause, ou s'il a une hésitation, à ce moment-là, on peut recourir à la technique pour lever le doute, mais à condition qu'il y ait un doute. Aujourd'hui, il y a une inversion du processus, tel que c'est la technique qui doit faire le diagnostic, et c'est à partir de cette technique que la prescription se fait. Et là, il y a, par rapport à toute l'histoire de ce qu'étaient les pratiques thérapeutiques, il y a quand même une erreur de méthode, à mon avis. Qui coûte cher à la sécurité sociale. Ah ben qui coûte cher, puisque tous les recours à la technique valent cher. Ouais. Et aux médicaments, quoi. Ouais. Vous soignez sans médicaments? Ah, complètement, oui. Par la main? Ce qui ne veut pas dire que certains ne sont pas nécessaires. Hein. Quelqu'un qui ne produit plus d'insuline, soit l'insuline de bord, soit l'insuline de synthèse, c'est une prothèse utile, il ne faut pas aller contre cela, ce serait ridicule. Quoi. L'éthiopathie soigne d'après la manipulation, enfin vous manipulez le corps, vous touchez le corps là pour le coup. Ah oui, 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 ça, oui. Oui, il n'y a rien à distance. Je ne soigne pas par téléphone ni sur photo. La question m'a été posée plusieurs fois, mais... Mais il faut dire que l'observation est simple, quand on a mal quelque part, on se masse, on se touche, et c'est étonnant qu'il ait fallu attendre le milieu du XXe siècle pour revenir à ce geste naturel. Oui, j'avais un jour une discussion avec le professeur Dastug, qui avait été professeur d'anatomie à Caen, et qui, à sa retraite, travaillait avec des amis paléontologues, et qui faisait du diagnostic paléo-chirurgical. Donc, il essayait de déterminer, à partir de sur des squelettes, qui présentaient des anomalies, de quelles pathologie, tel patient avait pu décéder il y a 15, 20 ou 30 000 ans.
Et il me disait la chose suivante. J'ai trouvé deux ou trois cas, je ne me rappelle plus, de fractures ouvertes qui avaient été réalignées. Eh bien, je suis obligé de reconnaître que votre métier est plus ancien que le nôtre. Mais voilà. Est-ce qu'on dit on va voir ça dépend du docteur Gauthier. Oui, alors ça, ils ne le disent pas très très longtemps. Vous ne voulez pas. Ben non, quand ils m'appellent docteur, je leur dis cessez de m'insulter. À ce point. Mais ah ben il ne faut pas confondre, parce que en Italie ou en Allemagne, vous pouvez garder votre titre et de le conserver dans la vie sociale et dans l'appellation. En France, c'est réservé. Et je ne tiens pas à être confondu avec les réservataires. Bien, mais alors, Jean-François Gauthier, combien de temps faut-il pour devenir éthiopathe ? C'est une véritable science à part entière maintenant. Il y a plusieurs universités en France. Plusieurs facultés. Facultés. Ce sont des facultés libres. Il y en a une à Paris, une à Rennes et une à Toulouse. Bon, j'ai enseigné dans ces trois-là. Il y en a une à Lyon. Et il y a une école qui est en gestation à Genève. Pour définir l'éthiopathie, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, pour l'éthiopathie elle-même, on va dire que c'est une chirurgie non instrumentale, c'est-à-dire qui intervient, une technique qui intervient sur la matière même du corps, mais sans autre instrument que les mains. Et pour ce qui concerne les études elles-mêmes, il y a... Ils sont longs, je crois, 6 ans, 7 ans. Ben, il y a un minimum de 5 ans pour pouvoir arriver à un assistanat d'un an, un peu comme le compagnonnage en changeant de maître, et puis l'accession donc au titre lui-même après 6 ans. Oui. Ça n'est pas un cursus court, mais comme je vous le disais, le temps d'assimilation de l'anatomie, compte tenu du travail de mémoire que ça demande, et du travail de mémoire qui se complète petit à petit, c'est-à-dire vous commencez avec une structure osseuse, l'année suivante, vous ajoutez dessus des masses musculaires qui font bouger ces structures osseuses. Ensuite, vous intégrez toute la distribution vasculaire qui va permettre de nourrir tout ça. Après quoi, vous y mettez des organes. Et quand vous avez fini tout ça, vous recommencez à zéro pour distinguer tous les nerfs, moteurs, sensitifs, vasculaires, etc. Et là, vous êtes dans la symphonie permanente. Ouais. Oui, c'est ça, la symphonie, comme vous dites. Faites penser, puisqu'on est dans un décor très 16e ici, sur Montpellier, on peut dire, à la Renaissance. Enfin, vous avez un côté médecine de la Renaissance. Vous parliez des dissections, vous avez pratiqué ça aussi. Ah oui. Oh, ben ça, c'est indispensable, sinon ouais. On ne sait pas de quoi on parle. Ouais. Oui. Mais il y a eu quand même de grands prédécesseurs non thérapeutes. Léonard de Vinci, voilà. Descartes, Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à la matière. C'est souvent pris dans une cosmogonie ou une cosmologie. Le corps n'est que l'application de principes cosmiques, on peut dire. L'anatomie, l'application de principes cosmiques. L'anatomie et le microcosme, si vous voulez, de ce que fait la cosmographie, c'est-à-dire la cartographie du ciel. Alors, qu'entendez-vous par cartographie du ciel ? La mécanique du ciel ? Ah, la mécanique, c'est un peu différent. Oui. Il faut d'abord commencer par faire de la cartographie, c'est-à-dire repérer les choses fixes, bien que ça bouge, mais celles qui bougent toutes ensemble. Donc, il y a une mécanique des fixes. Et par-dessus cette mécanique des fixes, il y a une mécanique des mobiles qui sait... toutes les planètes qui se promènent, qui ont des mouvements qui peuvent paraître un peu hagards. Alors, c'est la science la plus ancienne. Autre sujet de curiosité pour vous. Ah oui, tout à fait. Mais là, très jeune. Oui. Très jeune. Ah oui, parce que j'ai eu la chance d'habiter chez mes grands-parents, pas loin du Palais de la Découverte. À Paris. À Paris, et donc très jeune, j'allais au planétarium. Et j'étais abonné, j'y allais 2 fois par semaine, et je faisais partie de la section jeune de la Société Astronomique de France, oui. Qui est une société qui porte mal son nom, parce que ça n'est pas une société astronomique, c'est une société d'astronomes, mais enfin bon... Et vous continuez ?
Oh non, parce que j'ai malheureusement trop d'activités pour continuer celle-là, mais l'astronomie d'observation, donc la cosmographie, est la science la plus ancienne en astronomie, mais c'est aussi la science la plus moderne. Avec les modifications d'appareillage, il y a une ouverture vers d'autres observations tout à fait extraordinaires. Et vous suivez ça comment? Vous lisez des revues scientifiques beaucoup? Il y a des revues qui sont spécialisées là-dedans. Et puis l'évolution des techniques, en fait, il y a eu deux grandes époques, disons les années 1920, avec deux très très grands observatoires aux États-Unis qui ont fait voir qu'il y avait des galaxies en dehors de la nôtre. Et là, jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'au premier quart du XXe siècle, personne ne le savait. Et il y a eu, 1943-44, il y avait encore beaucoup de radars qui surveillaient l'horizon des côtes anglaises. Pour des raisons militaires. Pour des raisons militaires, mais bon, ils ont vite compris que la Luftwaffe était un peu à court de matériel. Et certains radaristes ont dirigé vers le ciel. Et ils ont constaté qu'il y avait un ciel qu'on pouvait observer avec des fréquences qui n'étaient pas celles de la lumière. Et donc c'était un autre monde, puisqu'il était constaté avec d'autres appareils dans d'autres fréquences que celles qui nous étaient accessibles jusque-là. Donc, disons que l'astronomie chinoise, beaucoup plus subtile que la nôtre, s'est trouvée là complètement dépassée, parce qu'on avait changé d'appareillage, et donc d'objet. Alors la mécanique du ciel, justement. Ah, la mécanique du ciel, ça aujourd'hui c'est un gros problème. J'avais laissé un petit ouvrage là-dessus en 1995, je crois, « L'univers existe-t-il ?» C'est une manière de poser une question, parce que j'ai Actes Sud, oui. Je ne pouvais pas titrer mon livre « L'univers n'existe pas ». Ça ne se serait pas vendu. Il y avait un problème. Mais c'est un peu ce que vous pensez. Oui. C'est-à-dire que l'univers est un concept. Chez les antiques, ça s'appelait cosmos et c'était très divers. Les astrophysiciens, les cosmophysiciens modernes veulent réduire cette diversité à une loi, qui est la loi de gravitation. La loi de gravitation relativiste. Mais il est impossible de concevoir que une loi écrite par des esprits humains, si subtils soient-ils, permettent de comprendre la totalité de l'observable. Dans le principe même, c'est aberrant. Et alors, c'est un livre dont j'ai appris qu'il était lu dans les arrière-couloirs du CNRS, mais dont il ne fallait jamais parler. C'est un livre un peu ardu, hein, je dois dire, je n'ai pas tout compris. Ah ben, il y a toute une première partie qui est une... Votre quelquefois, n'est pas d'une accessibilité pure et parfaite, mais notamment dans celui-là. Oui, c'est la matière aussi qui est relativement complexe. Mais voilà, alors c'est un concept qui est un concept à la fois physique et mathématique, qui a trouvé des preuves attestant que le concept n'était pas complètement incompatible avec l'observation instrumentée. Le concept, c'est-à-dire l'univers. L'univers, à origine unique. Mmh. Mais pour autant, ça ne cadre pas, sauf à dire que la matière est une, régie par une loi une, et accessible par l'esprit humain, forcément occidental. Non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne colle pas. Non, ça ne colle pas. Ça... À quoi vous opposez? À quoi je oppose que les trous noirs, toutes ces choses-là, arrivent petit à petit à mettre en place une telle diversité d'objets qu'on ne peut pas réduire le cosmos observable à une loi. Ça n'est pas. Il faut prendre en compte l'impensable. Oui, et puis alors, on en est aujourd'hui à un point tel que, entre ce que les spécialistes appellent la matière noire, que personne n'a jamais vu, mais qui composerait quelque chose comme 15 à 20% du total, plus l'énergie noire, qui est autre chose encore, qui composerait quelque chose comme 70% du total, on en arrive à un univers dont on connaît tout, sauf qu'on n'en connaît que 15% d'après leurs calculs. Et là, il y a un moment où
il faut, c'est ce que j'avais dit à Pierre Léna qui dirigeait la construction du gigantesque observatoire au Chili, où on a rasé 3 montagnes pour monter 5 télescopes, enfin c'est un truc absolument extraordinaire du point de vue technique. Je lui ai dit, il faudrait peut-être songer à ce jour qui va peut-être venir, où il faudra enlever dans les instituts d'astrophysique les sections cosmologie et mettre théologie. Il a souri. Et vous préférez le mot pluriverbe? C'est le mot qu'emploient les techniciens aujourd'hui, je crois qu'ils n'ont pas tort. Ouais. Alors voilà, un autre domaine que nous avons un peu balayé du regard, il faudra que nous en arrivions dans notre prochaine conversation, cher Jean-François Gauthier, à ce pourquoi aussi vous êtes très souvent cité et connu, c'est-à-dire vos études et vos publications sur la musique. Vous auriez pu écrire une histoire de la musique à la manière de Rebatté, mais vous avez écrit sur Palestrina et puis aussi sur Debussy. Nous allons y revenir dans notre prochaine conversation. Avec plaisir. Jean-François Gauthier, voilà la troisième rencontre, conversation, nous sommes toujours chez moi, dans la tour d'un logis, comme on dit en Charente. Un magnifique logis. Du 16e siècle. Et ça vous va bien, le 16e siècle, parce que je m'aperçois que vous pourriez être un personnage du 16e siècle. Ça enlève votre côté, quelque chose de votre côté monstrueux. Vous avez des curiosités qui est celle peut-être de l'humaniste du 16e siècle. Je vous ai vu un jour, lors d'une conférence à l'Institut Iliade, captivait votre auditoire en décryptant des toiles que nous croyions avoir vues, mais que nous n'avions pas comprises. Je ne sais pas si on ne peut pas commencer par la Joconde, par exemple. Vous nous avez montré le fameux Vinci, personnage qui vous va bien aussi, Vinci, montrant à travers la Joconde un paysage qui est le paysage que l'on voit derrière la Joconde, en réalité. Oui. C'est son paysage intérieur qui l'entoure. Oui, et le paysage que l'on voit derrière la Joconde est son paysage intérieur. Oui, oui. Et ça, c'est une... En fait, elle ne nous regarde pas. Elle regarde son paysage intérieur, la Joconde. Oui, elle médite son paysage intérieur. Oui. Et son paysage intérieur est en fait un paysage double, d'un côté avec un chemin dont on ne sait où il est né, et de l'autre côté avec un fleuve et un pont, seule construction humaine de ce double paysage. Et ce que Vinci, qui a médité ce paysage pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois, parce qu'on dispose de deux personnages un peu jocondes de Raphaël. Un dessin qu'il a fait, qui est probablement un dessin de la première version de la Joconde, avec un paysage derrière qui est simplement un décor. Et probablement Vinci avait esquissé ainsi, et il a retravaillé son double paysage, qui est le paysage intérieur de ce personnage de Gioconda. Et dans un autre tableau, avec une disposition qui ressemble beaucoup à celle de la Joconde, c'est sa Dame à la licorne. Raphaël a aussi intégré un paysage, mais qui est un paysage de décor. Le paysage de la Joconde est très, très, très différent. Et il insiste sur une thématique que Vinci jeune avait déjà inscrite dans son annonciation, hein, c'est-à-dire ce rapport entre le proche et le lointain. Ce qui est de soi et ce qui est du lointain. Mise en scène d'une vieille représentation antique, justement. Oui. Alors ça, c'est une réactualisation de ce que les antiques disaient dans cette opposition qu'ils ont cultivée pendant plusieurs siècles. Hestia, Hermès. Hestia, c'est la déesse du foyer, qui a son petit hôtel, évidemment, selon la taille de la maison et la richesse des habitants, qui a son petit hôtel dans l'entrée. C'est un hôtel circulaire sur lequel on présente les enfants aux amis, les nouveau-nés, qui sont les enfants de la maison et non pas des parents.
Et Hestia est celle qui veille sur l'oikos, sur le bien commun de cette maison. Et Hermès, c'est le dieu des extérieurs qui vit en dehors des murs de la maison. Et qui est le dieu des contacts avec les voisins, avec les commerçants, etc. C'est comme les puissances maritimes par opposition aux puissances terrestres, en réalité. C'est toujours la même dichotomie. Oui, on arrive aussi à ce genre d'opposition. Et la même opposition Hestia-Hermès, en changeant d'échelle, existe aussi pour la cité. C'est-à-dire qu'il y a, au Britannée, donc à la mairie, à l'hôtel de ville, il y a un hôtel d'Hestia, avec un feu qui est une lumière qui est alimentée en permanence. Et Hermès est le dieu des routes, le dieu des contacts, le dieu des dieux, des contacts diplomatiques, des échanges. Et il y a encore, en Grèce moderne, des balises qui sont des statues d'Hermès, hein, tout simplement. Et quand les grandes cités de Dionysie, Phocée, par exemple, vont faire des colonies ailleurs, l'expédition coloniale est une expédition qui est menée sous l'égide d'Hermès, et à l'intérieur du vaisseau principal, il y a une lampe qui a été allumée à la lampe d'Hestia dans la ville d'origine, et qui servira à allumer une nouvelle lampe d'Hestia dans la nouvelle colonie, ce qui est arrivé à partir de Phocée, pour Marseille, pour Antibes, et le terme est resté pour Marseille, puisque le club de football s'appelle, je crois, le club phocéen. Toujours la ville phocéenne, oui. Donc il y a cette division entre le soi et l'autre, le proximal et le distal, et cette figure, ou cette figuration de ce qu'est l'espace humain, l'espace civique, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les annonciations italiennes. Dans les annonciations italiennes, il va y avoir des représentations de Marie citadine, chez elle, dans une demeure, on va avoir éventuellement des meubles, etc. Et l'ange a tous les attributs d'Hermès, puisque c'est un ange ailé. Et il a aussi le paysage qui va avec lui. Il est de l'extérieur. Et l'annonciation, c'est précisément liaison qui est faite entre ce monde d'ici et ce monde autre, d'au-delà, frontalisé mais pas trop clairement. Et bon, Botticelli par exemple a peint 7 annonciations, ce qui est très très important, et la thématique, elle est toujours respectée, cette thématique bispatiale, qui est arrangée en plus, puisque depuis Brunelleschi, donc depuis le début du XVe siècle, a été mis au point cette technique de perspective qui permet de géométriser une spatialisation qui n'est pas géométrique, qui est psychique ou représentationnelle à l'origine. C'est-à-dire que les vieilles dichotomies antiques, enfin du monde hellénistique, se retrouvent tout au long de notre histoire, l'histoire de l'art. Vous les revoyez partout. Oui. Bah partout. Jusqu'à quand Jusqu'à Collioure, juillet 1905, le débat entre De Rhin et Matisse. C'est Matisse ouais. À Collioure, oui. Et donc le début de ce qu'on a appelé le fauvisme. De Rhin et Matisse, après quelques semaines, se disputent. Pourquoi ? Parce que Matisse considère qu'il suffit de mettre de la couleur pour fabriquer de l'espace. Et De Rhin lui dit non, ça n'est pas possible. Il faut aussi le géométriser. Et il y a une expérience à laquelle je me suis livré et que j'ai communiqué aux auditeurs dans ce colloque dont vous parliez tout à l'heure. On passe 2 tableaux du même phare de sortie du port de Collioure, l'un de Matisse et l'autre de De Rhin. On les passe en noir et blanc. Il y en a un qui n'a plus rien, c'est celui de Matisse. Et il y en a un qui a encore de l'espace, c'est celui de De Rhin. Et alors, étonnamment, bon, dans ce colloque, je n'avais pas le temps de développer trop les choses. On trouve encore une construction spatiale dans le cubisme de Braque, pas dans celui de Picasso.
mais dans celui de Braque. La rupture, c'est Picasso. Vous n'êtes pas toujours tendre avec Picasso, je vous ai entendu dire. Lui n'a pas été tendre avec la peinture non plus. prenez un tableau comme le plus célèbre, qui a donné lieu à une exposition autour d'eux, puisque ce tableau n'était pas au musée Picasso ce printemps, Guernica. Bon, c'est le tableau le plus célèbre du siècle. À Guernica, au taureau près, et encore, vous pouvez changer le titre. Vous pouvez mettre Caen, juin 44. Vous pouvez mettre Argentan, juillet 44. Vous pouvez mettre Hambourg, ou Dresde. 45, ou Dresde, 43, ou Hiroshima. Ce sera exactement le même tableau. Hein, ce tableau n'est pas spatialisé, c'est un tableau qui met en scène un écrasement, bon, effectivement, que ce soit celui de Guernica ou ailleurs, c'était exactement pareil, mais c'est exposé de manière symbolique. Autrement dit, il n'a pas vendu le bombardement de Guernica, il a vendu un concept qui est celui de la guerre. Mais de la guerre vue du point de vue de celui qui a perdu. Et là, l'espace est complètement disparu. L'espace est complètement plat. Et il y a un petit personnage dans la partie droite du tableau qui est une sorte de triptyque avec une construction médiane triangulaire. Ce petit personnage au bras levé, c'est le petit personnage en blanc et jaune du 13 des maillots de Goya. Et dans le 13 des maillots de Goya, vous avez de l'espace, et cet espace est construit par la lumière. Et le plus extraordinaire dans ce tableau de Goya, c'est qu'il y a une lanterne au milieu, et si vous suivez les ombres sur le mur, vous apercevez que la lumière qui éclaire le tableau, elle est en haut à droite, elle n'est pas figurée. Et c'est cette collusion-là qui fabrique l'espace dans le tableau de Goya, et c'est tout à fait extraordinaire. Toujours l'espace. Ouais. Alors l'espace aussi, c'est la danse. Vous nous aviez parlé un jour, cette fois abordant la musique, du sens du positionnement de chaque danseur, par exemple, et notamment, enfin, en particulier dans la musique de cour dans les ballets de Lully, c'est très important. Oui. Lully et Louis XIV s'étaient connus très jeunes, ils avaient 17, 18, 19 ans. Oui, c'est pour ça que Louis XIV était tellement capricieux à maintenir Lully, quoi, malgré son mauvais caractère jusqu'au bout. Oui, je ne sais pas si Louis XIV lui-même était de très bon caractère, mais bon, il avait toutes les qualités qui correspondaient à sa fonction. En toute hypothèse, il était guitariste, et il était danseur. Et il avait organisé les ballets de cour à Versailles, en fonction des nécessités du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y avait le soleil qui était lui-même, et il donnait des fonctions d'étoiles en différentes dispositions autour du soleil, et parfois un courtisan plutôt pas trop en cour pouvait être remarqué et remarqué vexé d'avoir à supporter une place de petite étoile. Mais ça a quand même marqué l'histoire de la danse, puisque le terme est resté dans la danse. Les étoiles sont toujours là. Oui. Mais donc il y a une manière d'organiser l'espace, d'organiser les relations, ce qui est indispensable quand on parle d'espace, et d'organiser donc des hiérarchies à l'intérieur des rituels de danse. Oui. Dans l'ancienne France, on dansait beaucoup, on chantait beaucoup, on faisait beaucoup de musique. Il y avait tout un tissu musical dans le moindre village. Il y avait peut-être pas le moindre village, mais enfin un peu partout, il y avait des manicanteries, des chorales. Il y avait des ménétriers, il y avait. Et puis les danses ont été la base du répertoire. Prenez toutes les suites de Johann Sebastian Bach, toutes les suites sont des suites de danse. Et ça, c'est un héritage des luthistes. Les luthistes écrivaient des suites de danse. Il y avait des hautes danses, c'est-à-dire des danses au pied levé, qui étaient plutôt des danses rurales, et des basses danses, qui étaient des danses au pied glissé, qui étaient plutôt des danses de cour. Mais la base des répertoires, c'était cela. Et pas seulement en France. La monarchie a toujours veillé à faire en sorte que les traditions locales
soit vivante et respectée. Louis XIV a eu parmi ses musiciens, en dehors de Lully dont nous parlions et de Couperin, il a eu Michel Richard de Lalande, qui est le compositeur de la chapelle de Versailles, qui écrivait après qu'avec la complicité de Bossuet, Louis XIV eût signalé que son église était gallicane, tout comme l'église britannique était anglicane, et qu'il fallait que l'autorité romaine lui lâche les baskets, si j'ose dire. Et donc, Michel Richard de Lalande a écrit énormément de cantates, de très longues cantates aussi majestueuses, construites, bien que différemment que celles de Bach à Leipzig. Et Michel de Lalande a aussi été chargé de former au clavier les bâtardes, Mademoiselle de Nantes, Mademoiselle de Blois, la chronique raconte que le roi lui avait demandé d'enseigner les danses françaises et il vérifiait à la lecture des partitions que ses filles bâtardes étaient bien instruites de l'art des Français. Tous les rois, tout à fait merveilleux. Louis XIII, Louis XIV, Louis XV. Louis XIII était guitariste aussi. Oui, était très, très, très musicien. La France était très musicienne. Il y a une rupture, j'ai l'impression. Enfin, vous nous avez expliqué un jour que la Révolution a introduit une rupture et a perdu rupture, beaucoup de choses. Oui. Une double rupture. Une oui. double rupture, parce que la continuité des traditions, la transmission de l'héritage, passait par les manécanteries d'église et souvent par les écoles qui étaient des écoles ecclésiastiques, exactement comme celles que dirigeait Bach à Saint-Thomas, hein, à Saint-Thomas de Leipzig. Et le deuxième vecteur, c'était la corporation des ménétriers. La corporation des ménétriers qui avait une très, très, très vieille tradition, notamment sur le Pont-Neuf. Sur le Pont-Neuf, il fallait payer un péage. On dispensait le roi de le payer, mais il avait quand même la dette. Les membres de la ménestrandise ne payaient pas le péage, sous la réserve qu'ils fissent un peu de musique ou les montreurs pouvaient montrer une danse de l'ours ou une danse du singe et ils payaient en monnaie de singe. Là vient l'expression. C'est ça, ouais, monnaie de singe. Ouais. Et alors, cette corporation de ménestrandise, elle a été interdite en 1791 par la loi Le Chapelier, qui a interdit toutes les corporations. Qui casse toute une tradition. Ça, plus la fermeture des églises, moyennant quoi, il n'y a pas eu d'école romantique française, à la notable exception d'un dauphinois, Hector Berlioz. Oui. Mais c'est la seule exception. Oui, il y a une rupture, parce que le 19e siècle est allemand, la musique dominante au 19e siècle, c'est l'Allemagne qui prend le relais, la musique romantique. Je ne sais pas si elle a pris le relais, en tout cas la tradition française s'est éteinte. La tradition française, oui, à part Berlioz, on peut dire Chopin aussi peut-être, mais enfin il est un peu particulier, il n'est pas entièrement français. Oui, il appartient à l'histoire des concerts naissants, oui. Des concerts pour instruments solistes. Et peut-être qu'aussi, après la Révolution, on a jugé que la musique était trop imprégnée, d'une part, de la religion, puisqu'il y a une grande partie de la musique était sacrée, ou alors c'était une musique de cour, et c'était un second péché. Mais il y a eu trop chaud. Un patrimoine qui a été rejeté pour des raisons idéologiques, un patrimoine musical, non ? Alors, le patrimoine religieux, oui. Mais il y a eu trop chaud, c'est que, à partir du moment où, après la Révolution, vous êtes rentré dans l'ordre de la vérité, vous n'avez pas besoin de vous occuper de ces choses rurales secondaires qui balbutient la vérité, qui sont encore un peu de l'âge des ténèbres, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu quand même un petit effort sous Napoléon III pour recueillir des traditions populaires. Et il y a eu des missis dominici, des envoyés dans différentes régions, pour recueillir ces traditions populaires. Il y a eu énormément de partitions qui sont revenues, après Napoléon III,
au ministère de la Troisième République. Donc. Et tout ça est parti dans les caves des archives nationales. Personne ne s'en est jamais occupé. Les seuls qui aient gardé les traditions, ouais. Ce sont les Bretons. Les Auvergnats. Avec le Barzaz-Breiz de la ville Marquet. Un peu les Auvergnats, et il y a une symphonie Cévenol célèbre de Dindy, et plus les chants d'Auvergne de Canteloube. Et il y a eu un certain Damas Arbaud qui a publié deux volumes de chants de Provence. Et les Corses. Et tout le reste, les Corses ont maintenu des traditions orales, tout seul. Mais ça n'est pas été noté, publié, diffusé. On revient là au 19e siècle, oui. Mais tous ces jeunes compositeurs que Liszt, oui, a encouragés, Liszt a encouragé Berlioz, il a encouragé Chopin, évidemment, il était très, très admiratif de Chopin, il avait encouragé le violon du diable, Paganini. Mais parmi les jeunes générations, il encourageait Smetana, il encourageait Grieg, et le plus jeune, quand lui-même était très vieux, c'était Elbénis. Avec, oui. Qui est venu jusqu'à Weimar visiter le vieux Liszt. Avec une visée nationale, nationaliste, enfin le mouvement des nationalités. Oui, ça correspond à ce qu'on appelait l'Europe. Autrefois le réveil des nationalités. Oui, mais il s'accompagne de réveils musicaux, enfin de réveils de traditions musicales. Oui. Ben pour les pays d'Europe qui n'ont pas été décérébrés par l'américanisation récente. Oui. Et oui, votre bête noire et la mienne. Et c'est peut-être l'occasion de parler, c'est la petite porte de parler de Debussy, dont je me souviens vous avoir entendu dire, à moins que ce soit dans votre ouvrage, vous avez consacré un ouvrage sur Debussy, à Debussy. Debussy a, lui, favorisé l'école espagnole. Il a rendu hommage à la musique espagnole. Et vous dites, dans Iberia, oui. Iberia, et ensuite Albéniz, et pas mal d'auteurs espagnols du début du XXe siècle, qui portent aussi un réveil de l'Espagne. Et il y a eu un article de Manuel de Falla, extraordinairement émouvant. Remerciant Debussy d'avoir rendu à l'Espagne sa musique. Ça vous touche, hein, toujours, oui. Oui, rendre sa musique à un peuple ou à une nation, ou à une tradition, c'est rendre son cœur, son âme, que dire. Et alors, il y a un de ses, pas élèves, mais un garçon qui travaillait avec lui, qui s'appelait Caplet, qui lui avait demandé à propos d'Iberia, mais comment faites-vous, vous n'êtes jamais allé en Espagne, que connaissez-vous de la musique espagnole ? Il avait sorti un petit livre de sa poche, qu'il avait donc dans sa poche, qui était un recueil de chants populaires espagnols qui avait été publié par Inacio Pedrel, qui à l'époque était directeur du conservatoire de Madrid. Et ça lui avait suffi pour reconstruire quelque chose à quoi Falla a rendu un hommage extraordinaire. Et Falla a écrit une partition pour guitare, Homenaje a Debussy, un hommage à Debussy, qui a été publié dans ce numéro de la revue musicale. Ouais. Debussy est arrivé dans notre conversation. Jean-François Gauthier, vous lui avez consacré un livre et beaucoup de temps et beaucoup de passion. Pourquoi Debussy ? Qu'est-ce qui vous a conduit à Debussy ? Je lui ai consacré un livre pour comprendre pourquoi il me passionnait. Et en fait, c'est la lecture, la fréquentation très longue des partitions de Debussy qui m'a fait comprendre beaucoup de choses que je ne comprenais pas en philosophie. Alors, expliquez-nous ça. C'est, quand on lit, on comprend ça. C'est-à-dire que Debussy vous a fait comprendre a éclairé des obscurités philosophiques. Ah oui, tout à fait. Notamment quelque chose qui vous étonne toujours, oui. Quand je vous dis que le temps n'existe pas, c'est un concept. Oui. Et Debussy est quelqu'un qui est arrivé à reconstruire en musique ce qu'est le développement d'une thématique. Et il construit dans son espace sonore de la durée sans cesse renouvelée. Il n'y a pas de plan préalable. Et ça, c'est la vieille leçon d'Héraclite. Hein. Il y a bien sûr des contraintes qu'il faut continuer de respecter. C'est la contrainte des rives, toujours différentes, qui contraignent le flux. Mais c'est jamais la même eau. C'est jamais la même eau, oui.
Et ça, j'ai réussi à l'intégrer dans des catégories philosophiques en travaillant Debussy. Vous avez là une écriture de la durée comme est une vie humaine, qui ne cesse de changer, et en même temps vous reconnaissez le même thème. Qui dure, oui. Et ce thème est élidé à la fin, il y a quoi? Il y a 4-5 notes de ce thème, vous le reconnaissez. Est-ce qu'on peut dire... Donc on ne le quitte pas, alors qu'il n'arrête pas de changer. C'est ça, mais c'est pas le même. Oui. Et voilà. Bon, on peut dire que le même regard sur... vous avez eu le même regard sur Palestrina. Est-ce que Palestrina a été un instructeur philosophique, puisque c'était un de vos premiers livres, le Palestrina? Alors, oui, mais pas de la même auteur manière. Auteur du XVIe, ouais. Romain, à la fois chanteur et compositeur papal. Il a travaillé effectivement à la Giulia, la chapelle personnelle du pape, c'est qu'il n'est pas là, la grande chapelle de Saint-Pierre, c'est la chapelle papale, où il a eu comme instructeur, comme tous les Italiens de cette époque, j'allais dire, Jacques Arcadelt, qui était un compositeur franco-flamand. La musique européenne, l'écriture de la musique européenne, est née dans le chantier de Notre-Dame de Paris, donc à la fin du 12e et au début du 13e. Ah oui, c'est ancien. Et des copies de ces polyphonies à 2, 3, tripla, quelques quadrupla, quelques 4 voix, ces recueils de chants ont été recopiés à la main et ont diffusé dans tous les chantiers gothiques. C'est-à-dire flamand. C'est-à-dire franco-flamand. Quand les Italiens, qui n'ont pas dans leur architecture participé à l'aventure gothique, quand les grands princes italiens ont voulu fonder des ensembles musicaux, soit du point de vue choral, soit du point de vue musical, il leur fallait des instructeurs. Et on a importé du franco-flamand, parce qu'ils savaient écrire à 2, 3, 4, 5, 6, 7 voix, ce que les Italiens ne savaient pas faire. Alors, vous insistez beaucoup sur le sens de la polyphonie. Palestrina, expliquez-nous pourquoi. C'est très très important. Alors, je vais vous raconter une histoire, si nous avons le temps. Hans Pfissner, qui était le directeur du conservatoire de Strasbourg avant la guerre de 14, a écrit un opéra intitulé Palestrina. Et ce qu'il mettait dans cet opéra, c'est... Une nuit, Palestrina est visitée par tous les grands compositeurs franco-flamands, Josquin des Prés, enfin tous les grands qui l'avaient précédé. Et l'essentiel du discours, c'était, écoute, nous sommes menacés. Le Concile de Trente ne veut plus de polyphonie, parce qu'à cause du décalage des voix, on ne comprend plus le texte. Tu es le plus doué parmi nous, et surtout le plus jeune. Il faut que tu écrives une musique qui convainque les pères du Concile de Trente, et surtout le pape, qu'il faut continuer à écrire à plusieurs voix, parce que ça n'est pas le texte qui est important, c'est la célébration de la magnificence. Et très très gros travail pour Palestrina, et ils s'en tirent avec ce qu'on a appelé la messe du pape Marcel. Alors ça c'est une légende, parce que le pape Marcel II a régné encore moins que Jean-Paul Ier, qui a régné 33 jours. Marcel II s'est arrêté à 22 jours. Donc, il n'était pas là quand la partition a été finie. Donc c'est resté dans la légende. C'est celui qui a convaincu les pères conciliaires du Concile de Trente qu'il valait mieux célébrer la magnificence, c'est-à-dire la gloire de Dieu, plutôt que de continuer à faire en sorte que les paroles soient audibles. Ça n'est pas la peine, puisque tout le monde les connaît. Alors, et ceux qui ne les connaissent pas, de toute façon. La polyphonie, donc, le sens de la polyphonie. Alors, le sens de la polyphonie, c'est précisément l'écriture à plusieurs voix superposées, qui sont différentes, mais qui sont compatibles entre elles. Et cela, c'est une représentation esthétique, pour les sens auditifs, de ce qu'est la problématique de toute société. C'est une problématique politique. Comment conjuguer des pluriels de telle sorte qu'ils ne fassent pas une cacophonie. Cacophonie, mais une symphonie. Mais une symphonie. Et cela, c'est tout à fait extraordinaire. Et là, les
ceux qui, parmi les pères conciliaires, étaient plutôt théologiens et s'intéressaient aux grégoriens, ils ont ravelé leur couleuvre et Palestrina a subsisté beaucoup plus longtemps que le nom de ces braves pères conciliaires n'a fonctionné dans les histoires. Polyphonie, ouais. Toujours le multiple, oui. Qui est réduit un peu, on revient à la satanée Révolution française, qui, elle, n'aime pas la polyphonie parce qu'on ne comprend pas le sens, on ne comprend pas les mots. La Révolution ramène, enfin crée des conservatoires pour faire de l'idéologie chantée, en réalité. Ils ont fait ça bien avant Mao Tse-Tung. C'était des chants politiques. Oui. Et il fallait que ces chants politiques soient chantés à quatre voix, compréhensibles par tout le monde. Et donc il y avait le chant à l'arbre de la liberté. C'est fait pour la rue, C'était pour les cérémonies publiques, oui. Pour l'être suprême, enfin il y en a eu tout un répertoire. Et il y a même eu, mais là nous n'avons pas le temps de l'évoquer, un hymne aux salpêtres que je trouve tout à fait extraordinaire et qui fait des liens. Un hymne aux arbres, un hymne à la mer. Oui. Et toujours un grand renfort de D'instruments avant, puisque c'est les seuls qu'on peut sortir. Le jour où il pleut, les violons, il vaut mieux les remettre dans les étuis. Hein. Alors que les d'où l'école française de vent, d'ailleurs. D'où l'école française de vent, qui subsiste encore aujourd'hui comme la meilleure du monde. Oui, ouais. En raison de... C'est assez anecdotique, mais ça a beaucoup d'effets. Oui, ça a eu des effets terribles. Ouais. Nous pourrions rester des heures, il va falloir que nous quittions, mais nous allons nous retrouver pour une prochaine conversation. Ce sera avec un très grand plaisir. Merci beaucoup, Jean-François Gauthier.